Bonjour à tous, on est dimanche matin, il est 8h, pas encore 9h. On vient d'aller chercher un parc, parce que je vous avais dit que je cherchais un parc en plastique là, mais c'est super méga cher. Et par grand miracle, j'ai envie de dire, j'ai une dame qui mettait un parc, mais rond. Enfin, moi j'aurais préféré un rectangle, mais bon, pour le prix, 5€. Apparemment, tout le monde s'est jeté dessus. Et j'ai été la première, donc je suis trop contente. Je vais aller le chercher. À la limite, j'aurais bien voulu y aller hier soir, mais Lucas avait faim. Enfin voilà, puis j'ai eu du monde hier, vous savez, j'ai eu mon beau-frère. Et du coup, je suis trop contente parce que donc ce matin, je suis allée le chercher avec Fabrice. Il y a une petite porte et tout, c'est trop sympa. Je vous montrerai ça plus tard. Mais pour 5€, alors que ça vaut plus de 100€ normalement, je suis ravie. Voilà, et là, donc nous partons en vide-grenier. Et Fabrice vient de débarrasser le parc et puis mettre la poussette. Mon beau-frère a ramené les planches hier, enfin les plaques. Il y a vachement d'espace entre chaque planche, donc je pense qu'on va mettre une plaque de plexi par-dessus. J'en parle à Fabrice. Mais on le fera, de toute façon on s'en occupera pas tout de suite. Hein. Fabrice y bosse, donc voilà. Et du coup on est parti. Bon alors du coup on vient de rentrer. On va faire la vidéo avec Fabrice. Avec Fabrice, regardez l'étendue des dégâts. Donc voilà, on va essayer même de mettre ce qu'on avait trouvé la dernière fois là. Les quelques trucs, je sais plus ce que c'est. Donc on va essayer de mettre un petit peu tout ça. Et puis bah, je vous inviterai, vous, ceux qui me suivent, du coup je vais pas vous montrer dans ce vlog là. Bon après vous apercevrez dans d'autres vlogs, je pense, les affaires. Mais vous verrez ça. Je pense que si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien en barre d'infos de la vidéo avec Fabrice. Voilà. Bon du coup je vous fais la vidéo de ce qu'on a trouvé aujourd'hui en vide-grenier. Parce que tout simplement il y avait beaucoup de choses avec Fabrice. Donc tout ce qui est bébé, je vous le montre à côté. Donc je vais vous montrer aussi ce qui est Disney. Du coup, parce qu'il y en a que ça ne les intéresse pas forcément de voir les jeux et tout ça. On a d'ailleurs trouvé un jeu Tortue Ninja de société, nickel. Là j'ai trouvé pour 50 centimes Winnie l'ourson ici avec ça en cadeau. Pour 50 centimes ça valait le coup. On a trouvé, Fabrice a trouvé des petits kiki comme ça. Pour 50 centimes les deux. J'ai trouvé, alors je vous remonte hein, pour ceux qui ne me suivent pas l'autre vidéo, enfin voilà. J'ai trouvé pour 1€ une casquette Nemo officielle de Disney. Trop bien. Ensuite, j'ai également trouvé ce tableau à 1€. Dans le dernier vide-grenier qu'on a fait, il y avait une espèce de grange. Qui faisait un peu Emmaüs, où il y a pas mal de choses, donc il y a des choses que j'ai acheté là-bas, voilà, donc là pour 1€ j'ai trouvé ce cadre là, c'est le premier cadre Disney que j'achète parce que j'en ai déjà trouvé quelques-uns, mais pour l'instant j'ai jamais franchi le cap d'en acheter, voilà. J'ai également trouvé housse de couette Mickey mais assez vintage, bon je vous la montre pas parce que je l'ai déjà virée. J'ai acheté pour Lucas. C'était dans une petite pochette comme ça. C'est tout un cirque en fait. Hop, ici. Hop. Oui, Fabrice a marché sur les jouets de Lucas. Et ça se défait, donc c'est plutôt cool. Voilà, il y a plein d'animaux et tout. Et en plus de ça, il y a une petite maison comme ça, cirque. Avec encore plein de trucs dedans. Voilà. Donc ça, ce sera peut-être un cadeau de Noël en plus, je pense d'ailleurs. Donc alors là, c'est du coup peut-être un peu mélangé. Enfin, dans le truc que je vous disais là, l'espèce d'Emmaüs, je sais pas trop comment on appelle ça. J'ai trouvé quelques petites choses. Je n'ai pas beaucoup trouvé d'habits. Pourtant, on sait que j'en cherche, mais j'en ai pas trouvé. Donc là, c'est du 2 ans. J'ai payé 1€. C'est un petit pyjama de Noël. Comme ça, à carreaux, avec des petits boutons. Hop. Et le pantalon ici. Voilà. Donc pour 50 centimes, j'ai trouvé. Alors ça, c'est du 3 ans. Donc ça ira. Je vais pas le laver. Ça ira dans le carton que j'ai en bas. Vous savez que j'ai un carton où je garde les habits. Alors le 2 ans, maintenant, il est déjà là. Mais le 3 ans, il est en bas. Voilà. Trop joli. J'adore.
J'ai également trouvé un pyjama en 2 ans à 50 centimes. Alors ultra méga vintage. Mais je trouve que c'est ceux où on est le mieux dedans. Donc hop comme ça. Avec comme ça dedans. Hop. Bon, c'est vraiment très vintage. Je pense à au moins 20-30 ans ça. Hop. Ensuite j'ai trouvé un pantalon à Lucas en 50 centimes. C'est du 3 ans. Hop comme ça. La qualité est vraiment top top. Voilà. Ensuite, j'ai trouvé un pantalon de jogging en 2 ans. Méga épais, donc parfait pour cet hiver. Il sera trop bien dedans. C'est de chez Decathlon Baby. Je savais pas qu'ils avaient une gamme Baby Decathlon. Mais voilà, pour 50 centimes, c'est parfait. J'ai trouvé un coup de cœur. Alors autant il y a des trucs que je trouve ça valait pas trop le coup. Il y a un gros manteau pour 5 euros. Ça vaut le coup si vous voulez, mais j'ai déjà trouvé moins cher en vide-grenier. Et là, on a Kiabi Bébé en 24 mois pour 1 euro. Une magnifique veste en jean. J'ai craqué dessus. Elle est trop belle pour 1 euro, franchement, voilà. Pour ce printemps. Enfin, j'espère que ça lui ira ce printemps. Parce qu'il grandit trop vite, ce petit. Mais pour ce printemps, j'aimerais bien pouvoir lui mettre. Donc, juste parfait. Elle est trop belle. Ensuite, j'ai trouvé pour 50 centimes, c'est du 2-3 ans. Donc, ça, je lui mettrai quand même, je pense, dans les habits 3 ans en bas. Ce qui me paraît quand même très, très large et très, très grand. Voilà. Ça valait vraiment vraiment le coup. Ensuite j'ai trouvé en 3 ans une petite chemise comme ça à 50 centimes. Ça n'avait pas le coup de s'en passer. Et je crois pas que j'ai de chemise en 3 ans pour l'instant. Donc voilà, ça y en fait une. En plus j'adore les chemises rouges à carreaux. Il y en a qui le savent. Ensuite j'ai trouvé la marque Palomino. Je ne connais pas. 92, je crois que c'est du 3 ans. Hop. Ce pantalon là. Il n'y a pas le prix dessus, donc je sais plus. Mais j'ai... Ah, 1 euro. 1 euro en 3 ans, je le trouvais assez sympa. Et j'ai pas de jean pour l'instant. Donc c'est parfait. Ensuite, j'ai trouvé pour 1 euro. C'était 5 vêtements, 1 euro. Donc j'ai pas mal... J'ai regardé. J'ai pris vraiment ce qui me plaisait parce que le reste... non. Donc on a... Bon, il y a l'étiquette dessus. Je vais éviter de montrer le nom de la... du petit garçon. Ce petit slip, alors je l'ai pris parce qu'il était vraiment en excellent état. Je pense que le petit garçon mettait des couches, donc du coup il est pas du tout abîmé. Voilà, trop joli, vraiment le petit slip nickel. Ensuite dans le lot, alors c'est quasiment que du 3 ans, j'ai trouvé, mais pour 1 euro, franchement, pour 1 euro, ça valait pas le coup de s'en passer. Par contre, j'ai pas trouvé beaucoup de choses en 2 ans et en 18 mois, bon, j'en ai, donc j'ai pas trop regardé. Mais pour 3 ans, regardez ça, c'est trop beau. Hop. Ensuite, j'ai trouvé ce t-shirt-là dans le lot. Il y avait un t-shirt Buzz l'éclair, mais du coup, je l'ai laissé parce qu'il était vachement abîmé. Il y a ce t-shirt-là, toujours en 3 ans. Ensuite, il y a... Alors là, c'est du 4 ans, c'est encore plus grand. Mais ça faisait partie du lot. Hop. Et encore un 4 ans. C'est pas encore pour tout de suite, hein. Mais hop, pour 1 euro, les 5 fringues. Franchement, ça n'avait pas le coup de s'en passer. Ensuite, alors, j'ai pris pas mal de choses pour Lucas. Vous allez voir, là, dans le magasin, là, qu'on a trouvé à Emmaüs. Enfin, le genre d'Emmaüs. On a, pour 50 centimes... ce petit jouet là, enfin ça valait pas le coup de s'en passer, j'ai envie de vous dire. Ensuite pour 20 centimes il fonctionne, mais il est un peu abîmé, donc il faut qu'on remette du scotch. Ce petit truc là, ah, je l'entendais tout à l'heure, il fonctionnait, mais pff, bon, enfin pour 20 centimes. J'ai trouvé un lot pour 2 euros de jouets pour le bain. Hop, donc je vais pas vous montrer. Hein. Voilà, c'est un lot pour le bain. Ensuite, j'ai trouvé ce matin, alors c'est tout un lot. Il y avait ça, alors ça, ça, plus un téléphone. Là, donc les trois choses pour 4 euros. Voilà, donc tout fonctionne. Voilà. Voilà, tout fonctionne parfaitement. C'est nickel. Voilà, là ce qui est bien c'est que du coup c'est France.
Donc j'étais en train de vous montrer ça, c'est mon appareil à surchauffer. Donc c'est très bien parce que ça apprend le français ainsi que l'anglais. Voilà, il y a plusieurs choses et tout, enfin c'est vraiment trop bien donc, pour le prix. Alors elle m'a expliqué qu'elle a mis du scotch là parce que c'était fort et que c'est pour couper un peu le son. Voilà. Ensuite je lui ai pris un jouet en bois parce que je recherche un petit peu les jouets en bois avec, je vous l'ai dit je crois déjà, les petits trucs comme ça pour choper. C'est pas pour tout de suite, donc pareil c'est un truc qui ira en bas, vous savez que j'ai ma réserve de jouets en bas. C'est la caverne d'Ali Baba chez nous. Ensuite j'ai trouvé également pour 1€ ce jouet là. Voilà. Pareil en bas. Je lui ai trouvé ceci. Donc c'est pas encore pour tout de suite non plus, mais je pense qu'il peut quand même jouer avec et s'amuser à tourner les trucs. Ça va l'éclater. Alors j'ai pris ça pareil qui sera, vu que c'était en boîte, je me suis dit ça fait un petit cadeau de Noël en plus, voilà. Et en plus je l'ai payé 1€, donc parfait. Il est dedans en excellent état, j'ai envie de dire neuf, donc voilà, il n'y a rien à dire. Je lui ai pris pour 2€ également celui-ci. Alors celui-ci pareil, je le garde pour Noël. Celui-là je le donnerai avant ceux en bois que je vous ai déjà montré, puisque c'est des petits cubes et ça ils aiment bien les petits. Voilà. Ensuite pour 3€ je lui ai pris ça, c'est neuf. Pareil, ce sera un cadeau pour Noël ou pour son anniversaire même, puisque c'est du 12 mois, donc pour c'est un an, ça sera son cadeau d'anniversaire, un de ses cadeaux d'anniversaire. Je l'ai vu, il est complet, il est nickel, elle l'a quasiment pas utilisé apparemment, ça file, donc parfait. Et je trouve ça vachement sympa, vous voyez les petits dessins et tout, c'est vraiment cool, donc c'est génial. Ensuite j'ai pris à Lucas des petits trucs comme ça qu'il peut mettre dans le bain ou même jouer comme ça avec. Normalement il y a plus de choses. Ouais. Donc voilà, il y a une boule qu'on met également au-dessus. Donc ça je peux le laver et puis lui donner, je pense qu'il peut jouer avec, il n'y a pas de souci. Je lui ai pris également cette petite, une autre petite palette, tablette comme ça. Voilà, donc parfait, ça il peut jouer aussi avec. Une balle qui va au-dessus du truc. Et je lui ai pris un petit lot aussi comme ça, qui va éventuellement aussi dans le bain. Il y a des formes derrière. Donc ça, il peut jouer avec dans le bain, il n'y a pas de souci. Même l'autre, hein, mais l'autre, je pense que je vais lui laisser comme ça. Voilà, donc c'est un truc tout bête, mais ça, c'est le genre de truc que les bébés adorent. Et j'ai repris parce que j'ai trouvé des trucs comme ça, vous savez, pour mettre par terre. Et ils sont un peu abîmés, hein, voilà. Il y en a qui sont un peu abîmés, mais je les ai payés 2€ le gros lot, donc franchement c'est parfait quoi. Et ce que j'ai bien aimé en fait aussi dedans, c'est qu'il n'y a pas de truc à défaire. Donc là c'est vraiment un parterre et c'est juste parfait, puisque du coup il ne peut pas enlever les trucs et les mettre à la bouche. Donc voilà, il y en a qui sont un peu plus abîmés que d'autres. Mais bon, j'ai envie de vous dire, hein, pour le prix et ce qu'il va en faire, très bien. Voilà. Alors par contre, il y en a deux lots. Donc on a le lot Disney avec voilà, et on a un lot animaux de la savane avec des animaux mais qui se défont par contre. Mais bon, c'est des animaux qui se... Oh, il manque un lot de truc. Voilà. Celui-là, je m'en fous un peu, c'était surtout pour les... Ouais, il y en a, il manque des animaux. Bon après franchement là, il va en avoir un sacré paquet. Donc voilà, vraiment contente des trouvailles parce que franchement on n'en a pas eu pour cher. On a vraiment fait de super affaires et je suis très contente. Et en plus j'ai pu préparer des petits cadeaux de Noël et d'anniversaire pour bébé, puisque c'est des choses qui sont quasiment neuves et tout. Enfin voilà, et ça lui fait des cadeaux en plus à ouvrir à Noël. Donc c'est plutôt cool. Voilà.